d'un peu là, ce ou la voix ou s'y met la lumière. Bon après-midi à tous, bienvenue sur Top FM. Aujourd'hui, c'est lundi politique dans Tempo Lasso. Alors qu'il y a l'alliance PTR, MMM, PMSD, qui déjà le 1er mai, l'annonce de la répartition d'étiquettes finit un peu comme un brisant dans lequel bateau fin retrouve lui. Aujourd'hui, ça l'alliance là, il est au bord de l'implosion. Astier, il y a plusieurs scénarios. Capable avec la marée, bateau répond sur la route. Capable aussi trouver qu'il y a un trou dans la coque qui dégage réparable. Mais il y a la possibilité aussi qu'il bateau casse en dé. Dans tous les cas de figure, la scène politique peut connaître beaucoup d'agitation en ce moment. Est-ce qu'il y a une configuration capable de changer? Est-ce qu'il y a un autre parti corde ou domino qui commencer ou qui peut commencer? Autant de questions qui nous peuvent aborder avec nos invités. Jodi, nous sommes en studio, Maître Richard Rowe et Ananda Radio, donc des observateurs, et aussi Maître José Moore de l'Union Maurice. Messieurs, bon après-midi et merci de finir accepter l'invitation. Bon après-midi. Bon après-midi. Merci de l'invitation. Et nous avons aussi l'historien et observateur politique, Jocelyn Tannard, qui peut intervenir au téléphone. Nous rappelons qu'il en fait l'émission aussi, vous capable de téléphoner nous, le 213-7777. 213-7777 et moi invite de tous suivre nous sur nos pages Facebook Top FM Mauritius. Donc, messieurs, beaucoup d'affaires finissent passées en l'espace de quelques jours. D'ailleurs, ça finit éclipser une annonce importante, je sais moi, c'est qui vous finit présenter comme un futur ministre de l'Intérieur par l'Union Maurice, donc sans sa système côté le Premier ministre et a aussi le dossier de l'Intérieur. Mais ça aussi, on va discuter ça tout à l'heure. Donc ça fait une éclipse intégrée par tout ce même événement politique là. Mais pour nous revenir à l'implosion, donc au bord de l'implosion de l'alliance Parti Travailliste MMM-PMSD, moi, je vous écoute, moi, vite, je écoute un petit mash-up qu'il nous fait avec toutes les déclarations qui finissent là ces derniers temps. Est-ce qu'il a régi capable de faire ça? Donc, on écoute tout ça dans les déclarations. Les temps, Navin Ramgoulam, Xavier Dival et moi-même, nous finissons. Pas y en a aucune cause, l'eau, 8 tickets passés pour PMSD. Mais nous acceptons, nous décidons pour donner priorité à sauver le pays pour être plus vivant. Mais personne ne révine dans ses affaires, y compris Xavier Dival, personne ne révine dans ses affaires 8 tickets au PMSD. Vous n'êtes pas d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Pas une dit tout, mais nous, naturellement, un avis, et moi, nous, une il faut grand tout qui vont ça. L'idée est à nous être vivants. Mais ce garçon, une cause et l'autre cause est net. Donc, causer Xavier Dival et causer ce garçon hier avant-hier, des causes différentes complètement. Bon, nous prenons note, et si l'alliance travailliste et même PMSD continue, parce que clairement, ça week-end, un tournant, c'est d'y continuer, mais nous avons besoin d'un certain éclaircissement, une fois pour toutes, lors de ces affaires, 8 tickets. Pour PMSD, je ne pas accepter, je ne vais pas parler à ça jusqu'à la fin des temps. Donc, si l'alliance ça continue, l'alliance travaille, même PMSD, nous pouvons bien gagner un éclaircissement, l'eau, ça pointe là. Pour moi, ça 35, 17, 8 là, jamais, pas finalisé. Fin gagne une proposition. D'ailleurs, nous tout connaissons quand Ramgoulam dit ça, Paul Bérange, même une sautée. Le fait est qu'il n'y a pas sinon aucun accord définitif. Il y a une cause dans l'air. Pas sinon aucun accord définitif. Aujourd'hui, ce qu'ils sont capables de dire, c'est que le PMSD, avec mon pensée, un soutien de la population en général, que ce soit tout le monde, qui nous souhaitait pouvoir influencer aussi le cours des choses dans un prochain gouvernement de l'Alliance Travailliste à même. Nous souhaitons ça, nous parlons l'arabe, nous parlons les vases à fleurs. Qui nous servir, à qui nous pouvons rendre service si nous disons vases à fleurs? Donc ce n'est pas aujourd'hui une option pour le PMSD d'être vases à fleurs. Aujourd'hui, là nous avons body language, là nous avons prise de position. Paul Béranger sur la question, il est clair que le MMM, Pérot évince le PMSD de sa alliance qui vient faire en catimini là. Quand Bana
observateur, pas nous qui peut dire ça, hein, pas observateur politique qui peut dire ça, le PMSD bien a plus de considération que qui le MMM dans distribution de bandes-tickets. Avec raison. On trouve Adrien Duval, un des membres dirigeants du parti PMSD, vient dire qu'ils n'ont pas d'accord avec répartition des tickets qui donne les PMSD comme partenaire de sa alliance de l'opposition là. L'LIP négocie avec résistance et alternatif. Il y a encore ticket qui est capable de donner là. Il est capable 1, 2, 3, pas qu'on est combien. Prenez avec combien de partis ici, il peut négocier encore. Je ne crois pas que le problème là, c'est uniquement ticket. Problème là, beaucoup plus fondamental que ça. Poisson et clapin, jamais pas capable de marcher ensemble. Et ça même qu'ils ont peur de faire. Je ne suis pas d'accord, non, il y a ça trois là. Je tenais un seul programme, Zet Pravin Jagnat. Mais vous n'êtes pas capable de faire politique avec un programme comme ça. Vous avez fait politique pour faire la population une alternative. Mais ça qui s'agrine, c'est guetter comment un MMM, il tombe dans sa pièce là, et puis finit décrédibilise-lui, alors qu'ils ont mis un masine l'intérêt de notre pays et non pas de l'intérêt personnel. Allez, voilà, donc il y a une série, un mash-up de tout ça dans le discours, ça qu'il y a de ce grain de sable. Pour commencer, allez, nous venons à une colonne d'Avelou, Ananda Radio, l'IPDIA, qui problème là, selon lui, plus fondamental, qui est une histoire ticket. Est-ce qu'il vous porte à la vie? Comment vous faites dire, Michael, vous pensez beaucoup qui sont arrivés en très peu de temps. Right? À pareille époque, la semaine dernière, quand nous t'étions dit qu'il y a un petit problème, l'étiquette, moi, pareil comme de nombreux observateurs, nous t'étions dit bon, mais probablement, il y a un vrai problème, l'étiquette, et il n'y a pas autant qui chacun retrouve dans l'alliance, quand il y a un minimum de respect, etc. Mais tout de suite après lundi, nous avons gagné l'occasion d'écouter déclaration Xavier Duval, nous avons gagné l'occasion d'écouter Ram Goulam, nous avons gagné l'occasion d'écouter Béranger, nous avons gagné l'occasion d'écouter Xavier Duval lui-même. Moi, je dis franchement, ma lecture de la situation est insensée un petit peu. Mm-hmm. Et me trouve dans sa move de Duval là, ce timing d'abord, right? Nous avons quelques semaines du 1er mai, qui est un 1er mai qui tout du monde peut dire extrêmement important par rapport à l'élection municipale. Je trouve ce timing-là, je trouve ça. Je trouve deux PNQ adressés semaine après semaine, pas au Premier ministre, adressés deux fois au Premier ministre. Donc, comme je guette tout cela avec recul, je dis non, il y a much more than cette affaire ticket-là. Moi, c'est pareil, je pensais qu'il y a une autre affaire. Et là, ça fait nous pose pas une question. Si pas ça, parce que pour un leader politique, nous avons dit la vérité. Nous avons des anciens premiers ministres, un leader de l'opposition, qui peut joindre depuis de nombreuses semaines, right? Semaine après semaine, je peux gagner une réunion. Qui ça n'a pour faire nous quoi, qui ça problème ticket là, pas nous discuter. S'il y a une petite chose pour discuter, c'est ça. Mais pour présenter comment un problème ticket, si je peux dire X pas pour gagner ticket, Y pas pour gagner ticket à cause de ça, moi, je pense qu'il y a une autre petite chose. Je ne sais pas qui était, mais je ne sais pas quoi, il y a le problème ticket. Avant d'écouter José Moi et Maître Choro, Maître José Moi et Maître Choro, donc laisse-moi écouter Jocelyn Chandler qui est au téléphone. Jocelyn Chandler, bon après-midi. Bon après-midi tout le monde. Et où Jocelyn Chandler, donc, ce qui me comprend quand on discute avec vous, vous pensez que c'est un problème qui t'y poursuit à venir, tôt ou tôt, étant donné qui pas fin faire à l'alliance ça comme normalement habitué faire dans l'alliance. Donc on est nous quand nous dites là quand en tant qu'historien nous dites une façon comment ben l'alliance est annoncée puis nous aussi des sur l'indépendance. Normalement ben l'alliance annoncée conflit presque discute ben chose très importante. Pour moi par exemple premier ministre ou vice premier ministre si programme qu'a dit c'est après mais positionnement ben leader non ticket. Cela finit
côté, les là où aller l'avant et qu'en l'alliance, même point le plus important. Nous prenons par exemple l'annonce 2010, l'alliance post-travail, c'est KMSM. Donc, un paquet, j'ai fait, là, elle l'a annoncé. Mais début 2014, et là, tout récemment, c'est pas comme ça. Annonce le principe de l'alliance, après, elle là, vous trouvez, elle a discuté, et finalement, là, il y a une situation on offre, extrêmement désastreuse pour l'alliance qui est en gestation. Donc, c'est aussi un problème de communication politique. On le cas, dire effectivement, mais qui vient faire ça. Peut-être parce que dès le départ, il y a une différence, une grande différence. Et qui c'est parce qu'il y a une critique que l'opposition peut être en place, trop divisée. Ensuite, il y a une pression partie extra-parlementaire qui fait qu'il y a besoin très vite dire pour l'alliance, mais pour qui faire. Pour faire un blanc d'une première ministre, pour Thierry Jagnat, mais ensuite, il laisse un point le plus important en suspens. Effectivement, c'est ça qui a mis sa situation aujourd'hui là. Et le pire, aujourd'hui, il peut négocier en public. L'alliance, si vous voulez garder l'alliance, vous ne pouvez pas négocier en public. Mais là, tout est sur la place publique. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement dévasté pour l'alliance en construction. Une décrédibilité à quelques jours, quelques semaines, d'une grande de ce qui s'est annoncé comme le début de la campagne étoile. Parce qu'il y a un autre aspect extrêmement important qui nous vient prendre en considération. C'est pas juste l'impression, au sondage montré que 70% de la population, aujourd'hui, ils refusent une pratique de parti traditionnel mainstream sans qu'ils aient adhéré à un nouveau parti. Donc, ça, 70%, là, ils plaignent la manière qu'ils peuvent se créer. En plus de ça, c'est plus ou moins decided. Donc, une élection publique, je peux voter, moi, Ben Moïse, c'est une politique à l'animal, je peux voter. Mais je peux observer, là, nous retrouvons un retour de belles pratiques qui Ben Moïse n'est pas content, puis la guerre pour un ticket, puis c'est extrêmement bien, moi, je suis bon dire. Donc, ça, il est capable d'en se l'effet très, à très long terme, hein. Mais donc, même si l'alliance colmatée ou pas, il peut en solliciter. Allez, justement, étant donné que vous pouvez dire ça, est-ce que si l'alliance colmatée qu'il irait réaller, les répartir, les reprendre sur la route, est-ce que vous pensez qu'il y a une amende séquelle, c'est moi qui peux en ça, tout ce qui finit de passer pour une amende séquelle? Bien sûr qu'on a une très grande séquelle, parce qu'il y a deux côtés. En ce moment, c'est qu'ils nous trouvaient, les deux, Pépin et le docteur Ramoulin, bien que Béranger, à un moment, tu peux dire. Ça fait 25 là, pas si discuté réellement, mais il finit par ce mot-là. Mais là, je trouve réellement, quand nous guettons la conférence de presse, c'est clair. Pour moi, le leader du MMM, il y a un théorie, il ne dit pas du PMSD, tandis que le PMSD, le leader, il peut soutenir à l'adresse, plus ou moins, et puis, bon, c'est une provocation, dans un sens, pas que ça a une provocation, mais il y a quelque chose qui est capable, avec une provocation, pour le MMM. Donc, ce qui fait que déjà là, il y a un problème de confiance. Ensuite, la question, clairement, il y a le problème de Adrien Duval. Bon, comment il peut travailler dans cette alliance-là, la manière qui les choses se sont déroulées. Donc, déjà, il y a un bel problème qui est capable, si l'alliance peut le marquer, capable de réagir plus vivant, soit avant l'élection, soit après l'élection. Donc, il y a une germe d'instabilité déjà qui est là. Donc, ça, c'est pour ça qu'il y a, en plus de ça, il y a une espèce de remake de l'honneur quand il y a l'élection 2014. Une raison de la défaite de l'Alliance MMM Travail, c'est aussi ça, espèce de honneur qui vient du monde, c'est plein. Donc, il y a une espèce de répétition de honneur là, et il peut lui faire ce dégât. Mais, comment on analyse ça? Donc, on peut dire comment Paul Béranger paraît selon vous sur le body language, on peut dire qu'il intériorise au départ du PMSD. De l'autre côté, nous, tout le PMSD, le Xavier Luc Duval. Donc, au départ, il tient un peu, il n'est pas trop où les causer, mais après, par la suite, il peut dire qui le PMSD est l'allié naturel, si vous croyez bien l'inservice ATM là, du Parti Travailliste, comme s'il peut faire un appel donc, au Parti Travailliste pour dire réconcilier sur bonne proposition, etc. Donc, le VA est déjà dans le fruit, vous pensez? Bien sûr, évidemment. Donc, maintenant aussi, quand même, le scénario, là, ça part au fait que la cassure, bon, ça c'est une spéculation, mais bien sûr, elle est quand même bien examinée, sa hypothèse-là, que la cassure est déjà là. La question, c'est comment faire que la cassure soit là, soit comme si actée, pour que chacun ait un papier du point.
des deux côtés, personne ne peut perdre du point. Ça fait mettre la cassure, le deux de l'autre là. Ça aussi, c'est une possibilité qu'on a analysée. Et Enmoulo, enfin, il a une cause provocation, mon corps, c'est Paul Béranger aussi, il évoque le fait que Xavier Duval fin joint Patrick Bellecour, et Xavier Duval, il dit qu'il est de l'opposition, et qu'il est pour joindre aussi Rossi Badin, théoriquement, Zodi, si je ne me trompe pas. Vous connaissez, quand nous avons la question de Bellecour, nous tous connaissons que Bellecour, c'est un candidat contre Paul Béranger dans le numéro 19, et qu'il a exprimé l'alliance avec Rossi Badin, et son numéro 20. Ça, c'est même une bastion du MMM, considéré comme des bastions du MMM. Et maintenant, là, quand nous guettons la. Quand nous avons décrypté la photo, c'est pas quand nous guettons la photo que Xavier Duval a publié sur Facebook et que Bellecour a publié sur Facebook, c'est pas une photo qui est tirée par un amateur avec un portable. C'est pas une selfie. Oui, c'est pas une portable, mais c'est une photo qui est bien faite, une photo professionnelle. Donc, il a une postérie, il est clair que ce n'était pas quelque chose de fortuit, mais quelque chose de délibéré. Maintenant, bien, nous connaissons un petit message derrière sa photo-là, un moment où il y a une crise entre les partenaires de l'Alliance. Donc, est-ce que c'est fait pour provoquer? Dernière question, juste ça, est-ce qu'il a quand même une reconfiguration? La configuration, pourquoi Béranger, pour Béranger, il y a le Xavier Duval, s'il quitte l'Alliance, vous dites bien, s'il quitte l'Alliance, post-travailliste, même en gestation, qui est en gestation, pourquoi il parle avec le MSM? Parce qu'il n'est pas oublié, Xavier Duval, même il y a dans le passé. Le parti mauricien est un parti de gouvernement. Vous dites bien, je vous dis ça, et là, il y a dans le passé, et c'est vrai. Que le parti mauricien, comme il y a beaucoup de 5 fois, l'île dans le gouvernement de l'indépendance, c'est un parti de gouvernement. Donc, moi, pas quoi, il parle la guerre maintenant, avec une force extra-parlementaire, pour faire le front, dans une situation qui ne peut pas se poser, qui est très difficile pour émerger. Pas plutôt, il parle de la pointe, c'est plus facile. José Dallard, merci beaucoup. Merci. Allez, merci. Donc, c'était Jocelyn Tanlar, donc historien et observateur politique. Richard Roux, quand Jocelyn Tanlar veut dire que PMSD pour oublier le mot de l'armée MSM, vous pouvez dire non? Non, parce qu'il y a d'autres alternatives et c'est clair, on me croit que le faut message... Pour ça, me poser ça question-là, on me pose moi, parce que... Le message qui finit, cette fameuse photo de Xavier Duval en compagnie de Bellecour veut justement indiquer... Il n'y a pas final de rencontre aucun dirigeant du MSM. Il n'y a pas fin de faire aucun de ce bon lieutenant rencontre des dirigeants du MSM. Évidemment, nous fin de comprendre par une déclaration de Soudesh Kalitian, les appels du pied du MSM dans sa direction. Mais actuellement, excusez pour l'expression, mais qui c'est qui a envie d'une place, même en première classe, sur le Titanic? Pour reprendre les mots de Jean-Claude Delestrac, certainement, les autres pour gagner qu'il faut 3 fois plus de tickets avec le MSM que ce qui est proposé actuellement, mais avec 3 fois moins de chances de se faire élire, comme l'a souligné Jean-Claude Delestrac. Par contre, pour revenir pour prendre à contre-pied ce qu'a dit Jocelyn Tanlar, si le PMSD était à ce point un parti de gouvernement, alors expliquez-moi pourquoi est-ce qu'en 2016, le PMSD, jouissant à ce moment d'une place confortable au gouvernement, avec un poste de vice-premier ministre, député premier ministre et un certain nombre de ministères, fin décide de claquer la porte et de s'en aller et d'être depuis 8 ans dans l'opposition. Ça, c'est quelque chose qui est à mettre au crédit de Xavier Duval. Et ben, dirigeant du PMSD, fin souvent rapporter que c'est grâce à eux que prosecution commission fin échoué. Et c'est ce que, on comprend un peu, qui fait ce parle d'alliance naturelle avec le Parti travailliste, parce que c'est vers eux qu'ils ont une retrouve autres et qu'ils ont fini en alliance depuis. D'ailleurs, PMSD, PTR, c'est peut-être le plus vieux couple que l'on connaît de la politique mauricienne. Et c'est une habitude, trouve autres ensemble sur les presque 60 dernières années. Moi, je crois que en coalition, soit seul ou ensemble, ou avec d'autres, presque 40 années, pratiquement.
la première coalition PTR-PMSD remonte même avant l'indépendance, pour les plus anciens. Mais aussi, selon vous, après tout ce qu'ils avaient déjà fin dire aussi, la gestion du gouvernement, donc il pourrait être possible pour lui retourner avec MSM, vous pensez? Comment il pouvait avaler ça d'abord à son propre dimoun? Ça, ce sera extrêmement compliqué. Mauvais cause cela avec d'autant plus de facilité qu'il se trouve que un moment propre, ma tante, est une Madame Duval. Il y a ça sans moi pour la reprendre. Donc voilà précisément le point de vue de beaucoup de gens. Mais nous disons simplement une seule affaire. Par exemple, la semaine dernière, Fingain, la déportation du dénommé Franklin. Et juste avant, l'ICAC, puisque c'était toujours l'ICAC qui était avant, la FCC a pris la relève seulement là, finirait tout bonne charge. Devant la cour, avant que exit Franklin. Alors, ce que ça veut dire, entre autres, cela veut aussi dire que les freezing orders, bye bye. Et puisqu'il n'y a plus de freezing orders, le cher Franklin, même depuis sa prison à La Réunion, peut donc disposer librement désormais de ses biens, sans qu'on fasse quoi que ce soit. C'est ça le système établi, et c'est ça qui découle de ce système avec là. Du système propre et qui nous peut reprocher au système gouvernemental et au système de gestion gouvernementale actuellement. Alors, soudain, pour Bizin, le PMSD va devoir, s'il rentre en alliance avec le MSM, absorber tout ça. Ça fait une sacrée dose de poison à digérer et à faire avaler, absorber et accepter par ses partisans et en plus à venir vendre. C'est parce qu'il y a d'autres options. Moi, pensez, nous prenons l'occasion de le dévoiler. Moi, tu vous poses la question et de le faire. Et c'est justement ça, tout le but de venir faire cette fameuse photo Bellecour. Allez, nous venons à l'option là. Hein. José, moi, donc, me rappelle, Zodi, donc, qui est un membre, un dirigeant de l'Union Maurice, me rappelle aussi qui est un élu du PMSD, élu municipal, le maire du PMSD. Quand on dit tout ça, là, allez, me pose la question. Est-ce qu'il y a un problème là, selon vous, un problème ticket, ou comment Ivan Colenda avait nous dit, et comment beaucoup de monde pensait, il y en a beaucoup plus que ça. More than meet the eyes. Ou tout le temps, quand on a ajouté sa bout là, me tenir, Zodi, à clair ça une bonne fois pour toutes. Pour les auditeurs. Oui, moi, je suis membre du PMSD. Il a commencé avec PGD en 1995. Tout le monde connaît qui est arrivé avec PGD, moi, pour rentrer là-dedans. Sorti PGD, il est venu PMSD. La mort de Gaëtan Duval, Hervé Duval, il est venu PMSD. Et puis PMSD, c'est Hervé Duval qui sorti, c'est Xavier Duval qui rentré. C'est comme ça qu'il arrive à être membre du PMSD et maire à Kepip. En 99. Non, il y a pas autant parce que l'Union Maurice. Ouais. Parce que depuis l'an 2000, tout ce problème qu'ils ont causé avec le PMSD, là, depuis l'an 2000, moi, j'ai fini de trouver ça et moi, j'ai fini de dire bye-bye au PMSD. Ça, c'est une affaire. Maintenant, deuxième, moi, je trouve que vous avez une déclaration qui X, Y, Z peut faire. Et vous pouvez faire une analyse là. Moi, je ne vais pas payer une sous-confiance à ma déclaration-là parce que je connais très bien comment ça va passer. Nous, à l'Union Maurice, nous servons l'intelligence, le terrain. C'est ça qui nous servit pour nous mettre nous analyse. Donc, laisse-moi donner trois informations pour qui et puis moi pour conclure. Première information, pendant que Adrien Duval est dans la zone Ramgoulam, Xavier, tu as un dîner à Beauplan, vendredi soir. Tu peux dîner à Beauplan avec un dîmoun qui manage sa question de Asté Vendée là. Vous avez maintenant ou vous avez fini de connaître ça? Tu peux dîner à Beauplan. Si, par exemple, comment vous connaissez Samedi matin, il y a une délégation de ben, agent du PMSD qui vient de mon bureau, samedi matin. Je t'analyse, je dis, bon, ça peu importe qui arrive là, qui PMSD n'a pas ici, qui n'a pas là-bas, peu importe qui est là, il y a un seul saut qui PMSD pour gagner dans n'importe qui gouvernement, si ça mène à l'élection, et pour gagner un grand coup de pied après l'élection. Ça, c'est une analyse, un agent du PMSD qui vient immédiatement samedi matin. Donc, il y a eu des contacts avec l'Union Maurice, alors? Non, dans le numéro 17, moi, mon terrain, donc, je te connais mon terrain depuis le début de l'année. C'est ce qu'on appelle des contacts. Je dis immédiatement. Et dimanche,
à l'île Auxerre, le PMSD a célébré ce l'accord qu'il finit scellé dimanche à l'île Auxerre. Tout le monde qui travaille à l'île Auxerre n'a pas confirmé ce qu'il m'a dit. Donc, avec ces trois éléments-là, qui m'ont dit. L'accord qui vient de célébrer. Avec qui? Je vais célébrer l'accord. Non, je ne sais pas. Qui est l'accord là? Non, vous ne connaissez pas, vous pouvez dire à nous. L'alliance qui. Oui, plus l'information qui va, beaucoup plus renseignée qui va. L'alliance qui est condamnée pour faire. Et ils ont démarré en espèce mobilisation à trois à mort d'Albert là. Ça, je vais faire parce que le travail qui est l'Union Maurice, tu peux faire le terrain. Je peux sentir qu'il nous peut prendre de l'ampleur. Je suis obligé de concocter quelque chose. D'ailleurs, M. Chan Lao confirme ça. Je suis obligé de concocter quelque chose sans discuter, sans nier. Allez, nous venons ensemble, nous commençons à mobiliser. Je démarre mort d'Albert. Mais bien vite, ça fait une frité, une fessée, jusqu'à ce que je n'ai plus capable de faire. D'ailleurs, là, nous, à la veille du 1er mai, sa qualité de l'organisation, là, pour aller le 1er mai, là, c'est incroyable. Vous comprenez ce que je veux dire là? Donc, je dis concocter ça, je mets ensemble, je dis démarrer. Vous faites-moi croire, trois leaders politiques traditionnels, depuis avant l'indépendance, puis minimum, trois leaders politiques, je fais une alliance, je ne peux pas discuter le nombre de tickets. Vous ne comprenez pas? Jamais de la vie. Il finit discuter, il finit accepter. Quand M. Dival, il trouvait... Discuter, allez, bon préciser, discuter, je tout une discuter, mais finaliser qui paraît de tenir... Il finit finaliser. Quand il trouvait qu'il ne recevait de ce côté-ci, ça c'est M. Dival pur cracher ça, je connais très bien. Quand il finit qu'on est qu'il ne gagnait pas ici, il a négocié de l'autre côté. Right? Et là, il met lui au milieu. Pourquoi finit je négocie, je ne pas finir là, dans les yeux du public. Pourquoi finit. Mais il finit scellé sa l'alliance avec MSM, il finit scellé, il finit célébrer dimanche à l'île Auxerre, mon petit Jaou a checké à confirmer. Donc maintenant, quand vous dites, moi, je sais ce qui est implosion, pas implosion, peu importe, je retourne l'analyse qui est un agent PMSD, il fait PMSD de Gaëtan Duval, mon petit Jaou, hein, pas un PMSD qui est un nouveau venu, là, c'est un ban du calan politique, je ne sais pas grand chose. Un agent traditionnel du PMSD qui vient de moi samedi matin, je te dis moi, sa qualité, behavior, sa façon qu'il peut agir là, n'importe qui côté le PMSD peut être, et un seul résultat que je peux gagner, c'est un coup de pied après l'élection. Allez, vous précisez, étant donné qu'une annonce avant d'affaire là, vous pouvez dire qu'il selon où intelligence, et mon pays n'a pas d'intelligence là, évidemment, donc ça pour faire un remous, vous précisez, qu'il mon pays n'a aucun moyen pour le vérifier, c'est qu'il vous dit donc. Diabana, dis à M. Duval, viens démenti moi. Allez, ok, 17h59, on arrive, juste à temps pour qu'il nous manque une pause pour le top horaire. Donc, nous manque la pause et nous retrouvons dans quelques secondes.
et l'Ouest 105.7 et le Centre 104.4. Tempola, ce ou la voix ou si met la lumière. De retour dans Tempola, ce donc comment vous capable d'entendre la discussion fin poursuivre pendant qui nous tient offert. Donc, mon rappel, nous que le thème c'est avec tout le man rebondissement qui finit là, est-ce qu'il est capable de faire une reconfiguration de la scène politique avec nos studios, nous avons Maître Richard Rowe, Maître José Moore et Ananda Radjou. Nous finissons l'occasion. Écoute l'historien Jocelyn Tchanlao, mon rappel, qui est allé au cas téléphone nous 213-7777, 213-7777. Évidemment, au cas suivre nos pages Facebook, Top FM, Maurice. Donc, Ananda Radjou, après sa premier tour de table, paraît qu'il beaucoup peut dire que non seulement il n'est pas au bord de l'implosion, c'est qu'il est désaffiné. Imploser, est-ce que vous pensez capable de rabibocher, comment le terme français? Non, d'abord, par rapport à l'information qu'ils osaient donner, donc si nous faisons confiance, vous pensez, si José peut venir dire une telle information là où on nous radio, il prend son responsabilité. Donc si c'est vrai, il vient montrer encore plus que c'est un coup monté du PMST. Et qui ces histoires ticket là comme on m'a dit initialement, c'est des affaires qui peut inventer, c'est un paravent pour donner une raison, une justification un petit peu honorable à vrai même qui est là au fond. Donc là, Mourimin, ce qui met Richard Rowe, il dit, donc nous peut dire implosion tout ça là. D'abord, comment Duval lui-même me trouve ça extrêmement suicidaire de sa part de nous tout le temps ça rappelle dans quelles circonstances Xavier Duval est trouvé dans l'opposition. S'il est fini dans l'opposition, c'est grâce à soutien ça ban les autres partis parlementaires qu'il fait et il est là parce qu'il me pensait qu'il tient une stratégie pour consolider le PMSD, donne PMSD, etc. Mais soit, étant donné que vous dites ça, nous, avant de continuer, juste mon rappel qu'à l'époque-là, tu as l'Alliance de l'Espoir, donc tu as MMM, PMSD, Rochi Badin, Inan de Boudin, si vous ne pas trompé. Et donc, dans ce cadre-là, quand problème est levé, travaille, il rend le leadership de l'opposition, Paul Béranger, pas envie de prendre l'île, là qu'ils avaient Luc Duval, Finvin, leader de l'opposition. Exactement. Et donc, comme vous dites, par rapport à tout ce bon PNQ qu'il posait, par rapport à tout ce qu'il dit à lui-même, ce qu'il fait, le constat qu'il fait à la société Maurice. Lorsque Maurice est venu, right? Je dis, nous pas pour cause de quelle façon le MSM il prend pouvoir avec 38%. Avec 38%, il est rétrouillé avec 62% d'élus au Parlement. Même nous, on dit 28,8%, on aurait mettre ça 38% là, les abstentions, qui sont quand même de 24%. Berster, Metro, si vous ajoutez le fait qu'il y a une grosse imbalance entre la circonscription à Maurice, nous, on dit presque la moitié de vote, c'est le vote de Maurice. Donc, nous, on cause tout ça là. Donc, le PMSD, pour prendre Duval surtout, pour la postérité, sa crédibilité, pour prendre un grand coup. Donc la question, est-ce qu'automatiquement les bisins allient avec le MSM pour lui faire jouer du MSM? This is another question. Je vais répondre rapidement là-dessus. D'abord, je vais rappeler les autres, quand je suis allé à l'année 95, PGD. Qui fait? PMSD participe à l'élection générale. Ça, c'est le premier. David Duval qui tient le parti. Le PMSD participe à l'élection générale. Qui ça veut dire? Qui fait mon père Révinlo là? Ça veut dire que le PMSD, sous le leadership de Xavier Duval, c'était une autre philosophie complètement ça. Avec le Gaëtan Duval, les feux sur Gaëtan Duval. Ça n'a absolument rien à voir. C'est des Dimoun complètement différents. Ça, c'est la première chose. Deuxième affaire, c'est que Dimoun bien comprend. Ça va une partie traditionnelle là. Quand arrive l'élection générale, c'est la période de la récolte. Je tout ramasse par centaines de millions de roupies là. Ok, moi bien vendre l'année, tout ce qui me suivent comprend. Et d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, il y a même une dire qui, voilà, il y a un casque dans la valise. C'est la période de récolte. Livre en livre, pas valise, livre pas chèque, livre pas sac de sport, you name it. C'est la période de récolte. Donc, tout ça va être produit traditionnel, et c'est ça qui fait que, autour de ce leader traditionnel, là, ce n'est pas qu'à quitter ce produit politique là. Je reste là jusqu'à d'autres mots. Parce que là, c'est la récolte. Et troisième affaire, c'est que tout le monde bien comprend. Toutes ces histoires de. Fais-moi quoi? Trois partis traditionnels, jusqu'à ce jour, disent par quoi mettre une proposition devant la population. Comment on y est pour sa société-là? Qui est le projet de société? Qui est le plan? Qui est la solution? Jusqu'à ce jour, disent par quoi
présente. Non, il n'y a absolument rien du tout. Étonnamment, c'est Xavier Luc Duval qui, chaque fois, dans la conférence de presse, typique programme. C'est lui le responsable de ça. Moi, mon cas, j'ai dit, fait, là, moi, spéculé. Non, il va le faire. Non, il va le faire. Parce que ce programme-là, moi, j'ai assisté, moi, trouvé que moi, je vais faire ça. Dernière minute, je vais les prendre un bout de papier, à nous donner un tel ça, un tel ça, un tel ça, un tel ça. C'est ça que je appelle manifeste électoral. Ça travaille qu'il ignore Maurice qu'il fait depuis des ans, là. Quand il publie Freedom of Information Act, il publie le changement constitutionnel, il présente sa cinq madame là la dernière fois. Sa cabinet. Il présente tout comme. La semaine dernière, il présente moi. Nous expliquer comment nous les fait sa délégation de pouvoir entre le Premier ministre et le ministère de l'Intérieur et qui fait un peu bizarre faire ça. Parce qu'il y a une vraie menace pour la sécurité du pays. Dis-moi, papa occupe ça du tout. L'insécurité, aujourd'hui, devient une espèce fléau parce que moi, je rentre Côte du Monde tous les jours et je trouve comment je peux perdre. Comment je peux retourner des systèmes, perdre des caméras, perdre des barreaux, perdre ici, perdre là-bas. Mais voler là, il rentre de partout. Allez, nous prévoyons que ça l'aspect là, donc ça, le fait qu'il peut couper ça, nous prévoyons que ça donc, tout à l'heure, mais là, nous l'aura. Voilà, c'est ça qui occupe l'actualité. Et heureusement ou malheureusement. Moi, je termine l'ONZ affaire qui personne m'avait causé. Qui pour nous, est extrêmement sérieux. On cause 2019 avec 30%, 20%, etc. etc. Qui ne passait en 2019 malgré toute pétition électorale, il ne résistait la cour. Mais il y a une suspicion. Le système électoral. Est-ce que cette élection-là, tu fais comme un bizarre ou bien élection-là, une coquin? Sa question là qu'on posait ça. Et moi, au bout de nous, de l'information aujourd'hui, un fait encore une fois, appelle ça intelligence, c'est ça qu'on a envie, janvier, nous n'écrions le commissaire électoral. Parce qu'il nous a fait un suivi de ban, rencontre qui nous est en 2023. Quand il signe dire pour une... Moi, pour obliger, parce que nous avons manqué une pause pour la lift-all, donc la rupture du jeûne. Nous manque la pause et bon, nous reprendre la discussion juste après. Tempola, ce ou la voix ou si Mélanie. En ce mois sacré du Ramadan, Top FM vous présente l'heure de l'iftar avec Witabix et Kurtz Mahmoud. Selon l'horaire établi par la Jumma Mosque, l'iftar pour les régions de Rosil et Quatre Bornes sera 3 minutes après le bip. Pour les régions du Kirpip et le Sud, ce sera 5 minutes après le bip. Quant à Vakwa, 4 minutes après le bip. En ce mois sacré du Ramadan, Top FM vous présente l'heure de l'iftar. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك سمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفترت فتقبل مني ولا J'ai observé ce jeûne pour toi. J'ai foi et j'ai confiance en toi. Et je romps ce jeûne avec la nourriture que tu m'as pourvue. Accepte ce jeûne de moi. Amin. C'était l'heure de l'iftar avec Witabix et Kurtz Mahmoud. Ou la voix ou si Mélanie.
De retour dans des polasseux. Donc, est-ce qu'il y a avec tout le rebondissement qui est sur le plan politique capable et n'a ban une reconfiguration? C'est la question qui nous peut aborder aujourd'hui en studio. Nous avons Maître Richard Rowe, nous avons Maître José Moore et nous avons la radio. Je vous rappelle qui est allé au cas téléphone nous au 213-7777 et moi invite tous à suivre nous aussi sur nos pages Facebook Top FM Mauritius. Donc, mon coucou, Maître José Moore. Donc, tu peux dire qui ou tu peux cause commissaire électoral. Il y a un élément qui n'est pas peut causer. Donc, tout ça, ben, du bruit qui peut créer là, peut créer ça. Hein? Tout ça, ben, du bruit qui peut créer là, parce qu'il peut couvrir une affaire. Quand je peux causer, ça va être 37%, 28%, etc., etc. Là, tout du monde a une suspicion aujourd'hui de nos systèmes électoraux. Ça veut dire, est-ce que ce système électoral là, il est foolproof ça, ou bien qu'il n'y a pas qu'aucun? La question reste posée. Malgré tout, qu'est-ce que pétition électorale, ça c'est un autre issue. Mais la question, la vraie question reste posée. Alors, depuis janvier, nous écrire le commissaire électoral pour nous faire un suivi de la discussion qui nous tient l'année dernière. Surtout la question de nos deux sujets principaux. Premièrement, nous avons proposé que tous les partis de l'opposition nous aient un tampon. Donc, quand voter, bien mettre tampon de l'opposition. Et nous avons aussi proposé qu'il y ait le comptage des voix le même jour. Alors, sur sa question de comptage des voix-là, le commissaire électoral t'a bien expliqué qu'écoutez, moi, je fais ça dans Villageoise, moi, je fais ça dans l'élection Rodrigue, il y a plein de problèmes pour me faire ça à l'élection générale. Et surtout, dans l'élection générale, il expliquait que ce problème, c'est logistique. Et il détaille nous qui a un problème de gagner camion, transport, etc., etc. Nous, on a tout ça dans le record, nous. Hein? Et il dit nous comme ça que le comptage pour faire le même jour, il y a plein de belichoux. Seules affaires, c'est qu'il n'y a pas pour un service de fonctionnaires qui travaille depuis 6 heures du matin là. C'est une deuxième équipe qui vient rentrer, qui fait le comptage. Donc, nous avons fait un suivi pour nous donner un coup de bécote. Il n'est arrivé qu'il n'y a pas répondu en janvier, il n'est pas répondu en avril. Et pour nous, c'est très intriguant. Parce que ce n'est pas son habitude. Normalement, le commissaire électoral répond à vos liens de correspondance parce qu'il n'est pas recevoir des centaines de correspondances par jour. On va bien créer son livre et le lendemain. Allez, ok, ça c'est un aspect. Donc peut-être nous pourrions l'occasion, donc Révine Lola, dans le cadre d'une autre émission, mais Maître Richard Rowe, est-ce qu'il y a une possibilité? Parce que mon écoute, ma déclaration, nous avons Luc Duval vient dire qu'il finit de discuter, mais pas de finaliser. À un moment, Paul Béranger aussi vient dire comme ça, qu'il n'a pas venu à l'impression, il a dit qu'il a l'impression qu'il n'a pas venu à mettre nous devant les faits accomplis, donc il a annoncé sans qu'il finit finaliser. Et il dit aussi qui Navin Ramoulam ti Adamet l'aura fait 35 tickets pour lui 35 ça veut dire 25 ou ban les autres 35 pour lui. Est-ce qu'il quelque part avec du va capable fin déborder par soit sa jeune garde soit sur l'os droite bon on va dire l'os gauche pour le PMSD. Il y a deux choses qui bien parce qu'il a une affaire qui est indiscutable il y a presque un fait de science politique depuis qu'il fin gagne en coalition, c'est-à-dire que le parti dominant il y en a toujours un package majoritaire de tickets, d'un minimum de 30 en d'autres termes. Là, 35, il ne va pas paraître déraisonnable en soi. Le partage des 25 autres qui s'y est établi, et c'est ça, semble-t-il, pour le PMSD, ça passe mal. Ça passe d'autant plus mal qu'ils ont gagné, ils ont estimé qu'ils ont sacrifié les autres depuis 2016, qu'ils ont rentré dans l'opposition. Et qui déjà aussi satisfait les autres en 2014, quand ils quittent le gouvernement PTR, PMSD de l'époque, au moment du cause causée entre le Parti travailliste et le MMM. Ce qui permet moi de souligner que, à l'époque-là, le MSM, qui était crédité plus ou moins de 7-8% à 10% des voix, et le PMSD 2-3%, malgré tout, c'est eux qui ont été les deux moteurs de la campagne virément, mais qui finissent gagner aux élections de 2014. Comme quoi que rien n'est impossible, finalement, pour aller dans le sens de notre ami sur ma droite. Et que tout, finalement, dépend de la volonté de la population. 67% de la population d'après le dernier sondage de synthèse, en octobre de l'année dernière, il nous a prononcé, il indiquait qu'ils ont envie d'un changement de politique et de leadership politique à l'île Maurice. Pour revenir à votre question, est-ce qu'il finalement il présage d'une nouveauté pour nous? Oui, toutes les options sont maintenant établies. Il n'y a nous bien penser que c'est la situation actuelle de cette alliance est une situation d'alliance en état de
mort cérébrale, ou presque, nous pas bien, bien difficile pour qu'il ça survive et qu'il nous aille de l'avant avec d'autres, il y en a d'autres cartes qui peut présager. Et ça, nous pas connaît qui peut venir d'ailleurs. Oui, bon. C'était mon rebondi, là, ce qui mon camarade Richard peut dire. Tout ça là, c'est une opportunité pour le pays. Ce qui peut passer là. C'est une opportunité pour le pays. Parce que là, cette reconfiguration qui restait là, c'est que le Ramgoulam est Béranger, vous avez dit. Parce que, pas oublié, 2014, il y a un deal 30-30 avec Béranger comme Premier ministre et 20 militants, militantes, ils résident ça. Ils résident ça. Ok? Le cas là, dis-moi pour quelle raison, pour ici, pour là-bas, problème de communication, je ne sais pas quoi, moi, pas mon sabou là, moi. Les pépines résident ça. Un militant, militante, ils résident ça. 30-30, Béranger, Premier ministre, ils résident. Donc, qui se pour capable de faire là, qui se pour capable de proposer là, pour reconquérir l'électorat, Pénanonier, Apod, qui, Paul Béranger, Rétiali, même, Navin Ramoulam, Rétiali, notre travail. Mais vous me dites, c'est le temps de la récolte, donc. Qui c'est là qui vous quitte sa récolte? Ah, ben, je vous dis que je vous fais ça, mon parent. Non, ça n'a pas concerné bon, pas ça. Cette moi, impression ne viendra pas de la part de l'intérieur du parti. Ça, on oublie. Ouais. Ça, c'est un vœu pieux venant de quelqu'un qui se trouve en dehors de ses partis. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est ce qui nous fait trouver à l'intérieur du Parti travailliste. Les tentatives d'éjecter par Navin Ramoulam ont été un échec. Mm-hmm. L'exécutif du Parti travailliste, il n'a insister pour que Navin Ramgoulam demeure en tant que leader. Ça, c'est une affaire, malheureusement, nous peinons à contrôle. Nous, en tant qu'électeurs, nous n'avons le dernier mot. Mais c'est pas à ce niveau, pas à ça. Mais pour revenir en ce qui concerne la répartition des 25, il tient important, mon pensée, et c'est ça que peut-être les gens du PMSD n'ont pas apprécié, que le MMM soit perçu comme valant et se soit ratifié par les alliés travaillistes. Comme valant deux fois plus que le PMSD, 17-8. Et c'est ça qu'ils n'ont pas envie à avaler, et qu'ils n'ont pas bévé, et qu'ils n'ont explorent d'autres avenues. Nul doute, me pensez, nous prenons des choses qui vont surgir dans les jours ou les semaines à venir, quand nous pourrons pas en causer. Demain. Il y a un bon contact entre A, B, C. Demain, etc. Si tu est-ce vas, que c'est si dans tu... la direction si du pouvoir va, si tu ça, vas pas on n'a pas croire personnellement, même si c'est si le cas. Si tu ne parles pas de démenti, c'est que mon c'est l'art du possible. Là. La politique est l'art du possible, ou bien notre ami là, il est bien au courant, il trouve l'évolution à l'intérieur d'un seul et d'un parti. Franchement, d'après tout ce qui nous trouvait, nous pas spécialement choqués de qui A, Al-Gadine avec I et B, et pour après prendre le petit déjeuner avec C. Allez, Alain Daradio, est-ce que quelque part, quand il est vrai qu'il nous guette le langage, que les trois leaders de ces trois parties-là a fini de dire, bien sauve le pays, etc., et qui quelque part trouvait qu'il bisbise, a levé l'eau en histoire. Ticket, est-ce qu'il a une adéquation entre, on dirait, sa mission qui se type de dire, je tenais là, et quelque part, la réalité, en fin de compte? Oui, on a raison. D'ailleurs, quand on guette ça, moi, tu allais là quand on nous dit dans qui l'État nous trouve, l'État nous démocratie, l'État, comment on a un state capture, Maurice, hein, dans le sens de l'institution, la plupart de l'institution, avec quelques groupes, je vous dis, presque tout l'institution de l'État au service d'un gouvernement. Right. Donc, alors, quand nous avons vu sens tout ça là, sans compte, tu allais là, Maître Rouyn donne l'exemple qui est arrivé pour l'Isier public, Franklin à La Réunion, mais pour la réalité, c'est autre chose qui m'est passé. Donc, alors, si nous avons vu sens tout ça là, nous dire comme ça, ben oui, trois leaders ont décidé pour mettre l'eau là. Et nous dire en passant, hein, et comme on écoute déclaration Béranger, l'eau là, un paquet de monde peut faire un commentaire, soi-disant, me trouve vraiment, hein. Motouli fait preuve d'un pragmatisme extraordinaire et d'une franchise dans ça. Et me trouver dans ce body language qui vraiment mène à du monde qui a envie PMSD aller, mais pas trop du tout qui fait lui-même souhaiter PMSD aller. Parce que la formule gagnante, comme tu l'as dit en 2014 qui est arrivée, cette fois-là, la formule qui s'est trouvée à l'île de la Nvini. Bon,
livré pour un nouveau parti politique, qui est content qu'il fait de la place. Hein. Mm-hmm. Mais seulement, moi, moi aussi pareil. Alors, la politique. Avec Ramboulam et Béranger, non, non, écoute-moi. C'est qu'il ban parti politique. Ça nous intéresse. Ban parti politique. La politique, il paraît une affaire rationnelle, ça. Et il y a un tas d'éléments qui jouent dans le comportement du monde à l'intérieur du ban parti. Moi, je pense qu'il est même qui est le parti travailliste. Ce qui nous envie, c'est one thing, mais ce qui le parti ou les poulies, c'est une différente histoire. Mais allez, en ce qui concerne Oupédia, qui on écoute bien Paul Béranger, moi aussi, on écoute lui bien, on a l'impression qu'il y a un moment, qu'il y a des affaires qu'il dit comme ça, qui, pour lui-même, même d'autres, tu pensais qu'il PMSD visait moins. Vous pensez des affaires comme ça, ou pas tu visais dire, enfin, tactiquement, ou pas dire ça, c'est vrai, ou plus envie, maintenant, vini. En même temps, il est vrai, il paraît qu'il peut. En fait, l'internet, les deux langages. Oui, à certains moments. Mais le commun des motels pense ça. Nous, quand on dit à qui poids, le commun des motels, qui nous bouquette pourcentage, il dit oh, mais PMSD n'a pas mérité sa quantité-là. De toute façon, donne-lui une place contre les ciel, les Eli, qui s'est dit donner un nom de ticket. Vous pensez, vous dites voilà, c'est malin pour ça, route bonne position qui sire. Donc, alors, moi, vous pensez qui. Et ça grimpe, triste un petit peu, dans le sens qui nous tout pire attendre qu'une nouvelle élection, tu allais là nous dire, qu'une qualité d'élection pourrait dans cette fois-ci. Il y a pourtant, parce que comment je sais une dire, ça doute qui malgré qu'il n'arrive pas à une pétition, ça doute là, il a back de nous la tête, il a. Et nous pas envie de T-Square, nous pas envie Computer Room. Nous avons envie qu'il y ait élection faite d'une façon transparente, counting même jour, et si possible, et même, même salle classe. Même salle classe, peut-être pour faire ballot de sang, peut-être pour prendre camion, SMF, pour faire gardien, non, rien. Nous faisons d'une façon plus simple possible. Mais là, nous pouvons rétablir confiance dans le système électoral. Donc, à un moment, je pense qu'il est triste, parce que c'est le pays qui perd, là. Je suis content que l'Union Maurice peut sentir qu'il y a un momentum. Je suis content qu'il y ait les autres partis pré-poli, tenant l'entente de trois l'opposition type pré-poli. Tout ça là, pour le jeu démocratique, les types sain. Tandis qu'il nous donne presque un TGV de MSM qui finit, TGV, mon père envie de dire où, il finit bien annonce ce ban de mesure, ce pension, ce PAB, tout ce qui a été mesure, il finit annoncé, il est bien en selle pour pré-poli. Donc, pour la démocratie, il y a pourtant qu'il y ait les autres partis aussi. Et une manne alternative crédible, réaliste et réalisable, c'était ça trois-là. Mais dommage qui là, il paraît, ça ne ralentit. Allez, vous restez avec vous-même. Une question. Hein, le temps où vous avez une déclaration, donc, Xavier-Luc Duval vient dire, donc il rappelle, il insiste sur le fait que le Parti travailliste et le PMSD, donc les alliés naturels, il rappelle qu'en 2010, quand MSM, 2011, quand MSM quitte le gouvernement, MSM, avant qu'il y ait ben, du monde quitte MSM et reste avec le gouvernement, donc c'est PMSD qui tient la majorité. De l'autre côté, nous avons Paul Béranger qui peut dire que, justement, donc, Navin Ramoulam, manière qu'il peut dire, hein, qui finalement ça peut-être avant qu'il finalise. Mais nous trouvons que c'est maintenant problème l'invillant MMM avec PMSD. Moi, pas quoi problème avec PMSD. D'ailleurs, si Xavier Duval, il travaille avec quelqu'un dans tout ça d'affaires-là. Et s'il établit, comme José peut dire, tout ce qu'il peut dire, il est arrivé, ça veut dire qu'il y a un coup monté. Mais si il y a un du monde, il travaille avec Navin Ramoulam. Parce que c'est son allié naturel tout le temps, et qui tout le temps, Ramoulam, il a envie d'emmener on board, et qui nous a fait des sautes pour accommoder tous les trois. Et ils ont dit, il y a une question de ticket officiellement, il fait ça. Vous pensez, si, c'est surtout Navin Ramoulam qui est trahi comme ça. Je ne sais pas quoi, il y a le problème entre eux-mêmes. D'ailleurs, qui est même qui va faire là-dedans là? Si l'India Oulin finit, comment Béranger dit, c'est qu'il y a un fait accompli 25-35. Moi, je manœuvre, il est limité dedans là. Si, comment vous dire, ça longe là. 15, c'est tout. Ouais, ou si éventuellement, là, à moins que Ramoulam renonce à un 2 parmi dans ce batch. Il y a un autre élément qui peut se prendre en considération. Quel? Je peux que 10, 35, 17, 8. Il y a un autre calcul qui est dans le parti politique, là, vous avez fait comme candidat. 36, 16, 9, N. Ça peut se prendre en considération. Il y a 36, 1, 2. Il y en a 16 populations générales, 9 musulmans et 15 sino-mauriciens. Ça, personne ne peut causer.
Alors, les temps de ta saisie, les temps de la liste candidat. À ce temps-là, tu as coupé. Mais justement, je vous ai réglé à ce moment-là. Et puisqu'il vous m'a dit à ça, 36, 16, 16 oui, exactement. D'accord. Basé sur la composition de la population en 1972, devons nous rappeler, et ne tenant pas compte du tout de l'évolution de la population à aujourd'hui. Maintenant, puisque nous faisons ça, l'Union Maurice, qui lui avait proposé par rapport au 36-9 16-9. Ne pas prendre ça du tout en considération. Donc, ça pas prenant du tout là. Ça n'a absolument rien à voir. Très bien. Allez. Parce qu'il nous parlait reste enfermé dans le passé. Comprends-moi là. Nous n'avons pas les restes enfermés dans le passé. Parce que c'est ça qui peut bloquer tout quelque chose. Là. Parce que si nous pouvons tirer, si nous venons nous réfléchir comme ça, ben nous tasser. Allez, juste avant de vous demander la régie, qu'à confirmer si vous prenez une pause pub. Allez, voilà. Une question. Maintenant, tout le monde peut dire, et d'ailleurs, on peut dire qu'on gave l'information, ou bien l'intelligence, qui finit la main de rencontre, etc. Donc, beaucoup de monde, si jamais Jean-Luc Duval, si jamais le PMSD quitte la grande alliance de l'opposition, il pourrait obliger à retrouver dans. Le, allez, selon vous, passé, je vous finis la question, avec, je pourrais trouver avec le MSM, mais pourquoi pas une troisième voie? Troisième voie, elle existait, mon Dieu, il existait, la solution existe, mais nous pouvons tout le temps buter avec sa bande leader traditionnelle qui n'a pas les bouger, je tous les restes là, les clairs et nets. Béranger et Kramroulam, je t'ai fait ça, je t'ai fait l'alliance là. Pourquoi tu avais une formule pour ça? Mais Béranger, vous avez défendu tout ce problème de Kofo qui peut lever là? Vous faites ça là? Moi, je suis sacré man militant, militante, moi je dis au franc. C'est un monde qui travaille avec le MMM, moi. Moi, je suis sacré parce que c'est un électorat qui réfléchit, c'est un électorat qui connaît voter, je réfléchis avant de voter. D'ailleurs, c'est eux même qui ne résident ça en 2014. Je te résiste ça en 2014. Béranger, Premier ministre, 30-30, je te résiste. Parce qu'ils ont servi de l'esprit. Est-ce qu'il est dans ce cas impossible que ce soit ça le calcul de Xavier Duval? C'est ce qui est le sens de ma question. C'est justement Bélecou et autres. Et peut-être aussi l'Union Maurice, parce que... La solution, tu peux on interrompre. La solution existe. La solution, c'est Béranger et Ramoulam, je bizarre retiens les autres. Ça... Non, attends, ça n'a pas rien à voir. Ça change quoi? Allez, ok. Ça n'a absolument rien à voir. Même si Richard, c'est improbable. Richard, parce les structures parties, comment moi, c'est. Structures parties, ça va être du monde qui l'a là, exécutif, tout ça là, ça c'est bidon, tout ça là. Correct. Moi, je parle structures parties, moi. Moi, je parle à des leaders là. Je n'ai pas trouvé là quand on est arrivé là, quand le pays est arrivé. Manifestement, je t'ai fatigué de dire. Qui problème peut arriver, je suis fatigué de dire Bizin sauve le pays. Mais si tu voulais sauver le pays réellement, mais prends sa décision là. Une fois qu'il prend sa décision là, tout changer. Tu vas trouver toi que ça c'est attends, une solution. Après moi pour les autres. Mais allez, je sais. Est-ce qu'il nous pas dans une situation qui malheureusement ou heureusement ban leaders politiques autant ban assets qui ban liabilities à une certaine en même temps. Donc, oui, capable nous peut de côté liability, nous peut dire ouais, il a l'usure du pouvoir, vieux, usé, fatigué comme disait Jospin à l'époque. Donc, tiers autres, mais en même temps, c'est dans l'intérêt supérieur. Se mettre à l'écart, dans l'intérêt supérieur, ça veut dire partir et dans l'intérêt supérieur du pays, parce que le pays peut bien ça là. Le pays peut demander ça. Quand l'électorat peut demander 67%, pas moi qui peut dire ça. L'électorat peut demander 67%, l'électorat peut dire comme ça, besoin de nouveau leadership. Mais ouvre un politicien, on ne comprend pas ça. Mais ça là. Il faut des José et moi, Vini dire ça là. Non, il faut qu'il y ait un résultat des urnes sorties. Ben comme allez, par exemple en 2014. Allez, on va c'est 2024. Là qu'ils pourraient trouver. Mais par eux-mêmes, ça nous bien connaît que prendre un aveuglement envers et contre tout jusqu'à preuve du contraire. C'est qu'ils ont dit, allez, Bana, step down quelque part, ou retirer, mettre-le en retrait. Mais qui ça n'a qui lead? Bana, puis la préparation de Ramban Porti là, une prépare qui ken pour lead. Je n'ai pas une prépare qui ken pour lead, mais il y a des gens qui ont la capacité pour lead.
Oui, mais on le propre de ces leaders-là, c'est que justement, au sein de toutes ces bonnes parties, c'est qu'ils ont qui tiennent précisément toutes ces tendances. Et ils ont pas arrivé là par hasard. Ils ont imposent quelque part, bien souvent, la force des poignets. Ou ils ont décapité quiconque se présentait en face pour éviter... Ils montraient mal l'ambition trop bonheur. Exactement. Mais voilà. À chaque fois... sorry, José, mais nous pas dupes de la question. C'est, si ces deux leaders se retirent, ça fait le jeu de ton parti. C'est pas toi qui... Allez, non, ça c'est ta fait. Je vous posais une question. J'ai envie quand même, Vinlo, là, pas stratégie qui ne servit dernière élection, right? Qui finit permettre au MSM gagner l'élection avec 38. Une bataille à trois. Pour moi, ce serait dramatique qui l'opposition divisée, right? Parce qu'il nous connaît qui manière faire élection insensée aujourd'hui. Right? Nous t'en disons peintre, imprime, PFR, enregistrement, carte, SIM. Bon, quand tout le monde qui peut suivre la guerre dans Gaza connaît comment téléphone peut servir pour IDF, Israeli Defense Force, mm-hmm. pour loquer des gens là exactement côté qu'il est. C'est sa technologie là qui peut servir. Donc, Maurice, nous pouvons cause 900 000 électeurs, nous pouvons cause 10% qui parlent voter, nous pouvons cause un grand. L'ON base de données, 900 000 électeurs, il n'en est du tout. Right? Si vous pouvez ajouter l'eau là, ou Smart City, ou Smart Caméra, ou Surveillance, c'est tout ça là, nous pouvons mettre là-dedans. Moi, je pense que l'élection n'est pas aussi simple manière de faire. Donc, face à un danger comme ça, manière, nous, démocratie, comment je sais dire, manière élection pour dérouler, technologie, casse qui moyen, non, la division de l'opposition, pour moi, est pour fatale. Donc, alors, tu es là où tu poses question, est-ce qu'il Dival est capable de réaliser ce qu'il y en a pour perdre, ce qu'il y en a pour ravaler comme couleuvre, kilomètre couleuvre, quand il rentre avec MSM, il est capable. Une possibilité, si l'ISEI fédère l'opposition. L'impossible. Il est capable de contacter l'Union Maurice, il est capable de contacter plusieurs partis, quand il amène sa division encore plus. L'impossible ça. Parce qu'il est là, whatever ce qui est élu après ça, il est capable toujours d'aller faire l'alliance avec. Et donc, dans le sens, à l'Andar Radio, pas oublier que nous avons une question. Qui est très important, pour vous avez, un facteur important pour Xavier Dual, sur l'âge. Il y en a 66 ans, 62 c'est l'âge du Premier ministre, contre 77 et 79 ans pour respectivement Navin Ramboulam et Paul Béranger. Donc, lui, il a le temps devant lui, contrairement à, à Navin Ramboulam et Paul Béranger. Donc, c'est manifestement la dernière carte à jouer. Non pas parce que le précédent. De sur Annie Roudjouk, note en 2014, parce qu'ils nous trouvaient comment ça s'est passé, et ça, c'était même presque pathétique de le voir endormi certaines séances parlementaires par moment, et l'Inbiza a arrêté dès 2017. Non, parce que Alain Radjou et José Moura, donc, enfin, on va dire qu'ils ont les bouts simples, mais il y a une option. Il y a une option. Parce que Nando Boda et Xavier-Luc Duval, c'est Dejimoun qui finit prépare le manifeste électoral de l'Alliance Les Peuples en 2014. Et deuxièmement, si je ne me trompe pas, Ramavala Aden, lui-même, qui finit aide pour réunifier la grande famille bleue et confier et rendre le leadership à Xavier-Luc Duval, qui est à l'époque-là. Donc, c'était parti mauricien, Xavier Duval, PMXD. Donc, il y en a beaucoup d'histoires concernant le PMSD. Donc, il n'est pas totalement forfait. Il y a une option. Moi, mon base, moi, c'est sur l'information qui m'a là, l'intelligence qui m'a là, qui m'a dit où ça. Mais il y a une option, il existait, oui. Charot. C'est effectivement ce qui nous arrive à la conclusion. Et est-ce que cette bande d'affaires qui peut élargir nos possibilités à nous en tant qu'électeurs, ben ça, dans les jours ou les semaines qui vont suivre, nous allons savoir. Maintenant, est-ce qu'il nous décide au contraire de, en mauvaise cause, nous, électeurs, à notre majorité, de jouer la carte de la sûreté avec une partie plus traditionnelle. N'empêche, mon père retourne toujours sur le sondage synthèse de octobre dernier, qui explique crédit tout de même l'alliance des trois partis, il est vrai, c'était un ensemble de 36% d'intention de vote, avec un peu moins de 20% pour le MSM et ses alliés à ce moment.
Donc, et avec une grosse partie de l'électorat qui s'est déclaré encore indécis, environ 32%. Donc, c'était des choses qui étaient à prendre. Et malheureusement, José, à ce moment-là, aucun des bonnes partis nouveaux, dont le tien, est crédité de plus de 3% chacun. Donc, c'est bonne affaire, c'est bonne option qui en a le choix finalement. Allez, pendant quelques minutes, nous posons une question simple et donc une réponse simple. Et après, nous vous gardons quelques minutes. Donc, José Mouapoko, sans affaire qui paie ses ports, donc ministère, Premier ministre, enfin, l'Union Maurice propose, pour, en cas de victoire pour ses ports, sa poste de ministère de l'Intérieur du poste de Premier ministre. Allez, est-ce qu'ils ont dit à Nanda Radio, nous capables de dire que les presque entériné qu'il alliance PTR, MMM, PMSD Non, on n'est pas capable de dire ça. Non, on n'est pas capable de dire ça du tout. Parce que si, comment il peut dire, nous pensons qu'il dit, si il dit qu'il y a une question de ticket, qui nous trouve un peu difficile après 51 réunions là pour manger sa boule là. Bon, si il est vrai qu'il y a une question de ticket, et qu'il y a un effort de la part de X ou de Y, et ça a réglé. Je pas dire, parce que, bon, ou comme bien, Xavier Edival, un des gens qui suivent, ils suivent beaucoup les réseaux sociaux, ils suivent un ticket qui dit qui dit autour de lui, quand ils peuvent trouver ben, ce qu'il peut faire, ils pourraient même démolir sa crédibilité qu'il a gagné, qu'il a acquérir comme leader de l'opposition là. Et qu'il peut le dire, là, donc tout qui chose est dans ce revers, et dans des gens qui disent, ça a été là, mais qui ne m'a aussi qui ne passait pour Dival Caraval ça. Les gars fait dito tout le derrière là, tu comprends? Donc moi me pensais me souhaitais comme on me dit un paquet participant dans l'élection, un paquet participant politique qui nous contribue à l'éducation électeur, faire l'élection là d'une façon plus d'une façon où nous voter, nous allons voter en connaissance de cause. Donc alors moi me pas capable dire qui Dival pour faire. Nous disons, attendez, qu'il était qu'il pour faire, ne pas qu'à dire qu'il en a sur la tête là. Allez, on rappelle, Bandjiboun, qui sont capables, téléphone-nous, le 213-7777, 213-7777, on a Yann qui peut écouter nous, qui a la régie, donc, qui gère, ben l'appel. Est-ce que si jamais, Jocelyn Allan peut dire qu'il peut dire, il peut prouver, lui d'après Body Language, qui peut le déranger, paraître PATA, Yoris, Déport, PMSD, mais si reste l'alliance, pas de travail, c'est même, est-ce qu'il. 2014, 2024, même l'alliance, est-ce que vous pensez qu'il est capable de marcher en ligne d'une autre façon, Richard Roux? Les circonstances ne sont pas les mêmes, parce qu'il nous tient quand même en 2014 une alliance qui, après 10 années de pouvoir, presque 10 années de pouvoir de la part du Parti travailliste, c'est l'usure qui peut jouer contre le Parti travailliste. Aujourd'hui, c'est l'inverse. L'usure du pouvoir du côté du MSM. Et en plus, avec une fantastique collection de scandales, comme jamais nous fin connaît auparavant, qui peut nuire à la réputation du gouvernement, et même s'il y a une certaine réalisation à son actif. Ce qui permet finalement la réhabilitation, dans un certain sens, de Rangoulam par rapport à l'image qu'il s'est dégagée en 2014. Ce qui peut arriver là, lit certainement et gratigne un petit peu l'image presque épinalienne d'Épinal qui tient là de cette alliance qui se fait en gestation et qui semble-t-il à 3 semaines du meeting du 1er mai un grand coup d'arrêt et nous-mêmes pas connaît s'il peut y arriver ou pas. Est-ce que au contraire les choses seront réglées dans 3 semaines, on n'en parlera plus comme étant une has-been story et à ce moment-là bien sûr l'opposition alternative, notre ami ici présent en tête, vous autres rappelez qui est arrivé début avril 2024. Est-ce qu'il ça pour gagner des prises? Est-ce qu'il finalement, je vais parler de cette alliance toujours en gestation, pas qu'on est simonné ou pas, mais en tout cas se portant plutôt mal en ce moment. Pour survivre ou non, ou est-ce qu'il prenne une autre alliance qui pouvait une nouvelle configuration qui pouvait venir, mais ça c'est nous pas connaître, nous peut discuter, nous peut envisager des possibilités nous peut envisager juste des perspectives, nous pas Madame Yama. Allez, José, moi une question toute bête. Est-ce que là, le MSM jubile, donc sans qu'il nous rentre dans le langage animalier d'Afen Golenda Vilu, est-ce que tout cela réjouit
Le MSM est déjà prêt. Ça qui joue dans la tête. Mm. Le MSM est prêt depuis longtemps. Il est prêt avec sur la liste électorale, il est prêt avec sur 20 candidats, il est prêt avec d'ailleurs Montagne, il cause la liste électorale là dernièrement. Comment est le Premier ministre vient cause la liste électorale? Quand il y a le tiers à lui, comment est ça, la liste électorale capable d'en sur la tête? C'est à cause de ça qu'on profite de sa lanterne là pour me lancer un appel à la population. Sa prochaine élection là, je vais faire un effort, je vais voter tout du monde. Parce que c'est la façon qu'il nous capable faire pour qu'il nous évite, ce n'est pas un problème qui s'est gagné là. Ça, c'est la première affaire. Et deuxième affaire, deuxième appel me lancer, prends ce téléphone, enregistrez tout ce qu'ils ont trouvé qui n'est pas normal. Parce que pour mettre une pétition électorale, vous connaissez la difficulté, et bien preuve. Mais nous, l'Union Maurice, nous payons l'usure, camarade, une cause l'usure du pouvoir, nous payons l'usure de l'électorat. L'électorat est fatigué avec sa bande d'histoire de tickets de ici, de là-bas. L'hyperode est une solution. L'électorat pérode une solution. Il est fatigué avec sa bande de pouvoir, sa bande de comment dire, de vasafler. Mais qui te, comment tu as tiré un mot pareil? C'est parce que tu as habitué à mettre ça rôle là ou quoi? Allez, voilà. Moi, nous, l'Union Maurice, nous pouvons concentrer l'eau le 1er mai. Et me profite de où l'antenne. Enfin, en gros, je ne sais pas le service, c'est l'expression jolie mamzelle, encore une fois. Non, je t'habitue, Allez, nous présidons Maurice, nous concertons le fait qu'il faut le présenter comme ministre de l'Intérieur. Michael Motika, les cas, je t'aime l'affaire. Nous, quand même, tu poses avant, pour ne pas avoir un problème. Allez, nous, on pose. Et après, nous laissons ajouter sa petite affaire à l'interradio. Tempola, ce où la voix, où s'y met la lumière. Dernière partie de Tempola, ce aujourd'hui nous cause politique, nous cause tout bon événement qui finit de passer et aussi nous prenons un aspect que nous pouvons évoquer concernant l'Union Maurice. Mais avant, me rappelez-vous qui est en studio, nous avons Ananda Radio, nous avons Richard Rowe et José Moore. Me rappelez-vous aussi qui vous avez téléphoné nous, le 213-7777, si vous avez envie participe dans le débat ou tu peux envie ajouter une affaire avant la pause. Oui. Par rapport à l'élection, surtout par rapport à ce qu'ils osaient dire. Nous dire qu'il y a ça, bande de monde qui partit trouve votre nom, qui a enlevé la liste une fois, qui se passe sur une 800, tiens, bande de monde, tiens, non. Et moi, c'est parfaitement d'accord. Meilleur vaccin que nous sommes capables de faire pour qu'il peine la fraude électorale, c'est que tout le monde qui est en âge pour aller voter, il y a le voter. L'abstention crée possibilité qu'il y ait un monde à le vote dans la place. Right? Il y a le voter, et nous tout connaît, quand on va le voter, si il y a dans la place, mettre ça dans une box, pas compter ça. Donc, alors, qui dit moun al voter, bonheur, voter, vous pensez qu'il y a extrêmement pour l'abstention à une bonne chose. Moi, je sais, aller venir, l'eau, ça, question, ban leaders politiques, puis aller. Mais je me rappelle, dans la dernière élection, si nous nous guettons, quand on a les ban chiffres,
90% ben, vos votants, ils votent sa trois parties traditionnelles la même. Donc, alors, moi, mon sagrin qui peut-être nous l'éducation politique, nous l'éducation civique, pas amène ça l'ouverture d'esprit là, que nous avons considéré, mais aussi mon content nous sortir de sa matrice, nous tout content sortir là-dedans. Mais, en ce qui nous souhaitait, ce qui peut arriver, il prend un petit peu plus le temps. Donc, alors, pour moi, je ne pas les faire, il y a une question, si pas, tiens, ça n'a pas les puissances qui te choses. Je pense que les partis politiques, je tenais sa responsabilité pour préparer la relève, mais nous connaissons pas ceci, ouais. pas ce comme ça. Donc, alors, moi, je ne vais pas les focaliser là. Je sais pas, un petit dernier. Si nous sommes honnêtes dans nos analyses de côté société mauricienne arrivée, en termes de démocratie, en termes de state capture, en termes de la pauvreté, en termes de la précarité qui est là en ce moment. Nous causons ça, comment dire, il y a des affaires à qui nous causons ça. Nous devons comprendre que l'État, nous, l'économie, avec nous 500 millions de dettes, avec le debt servicing, il arrive presque à 45%. Il faut donner 500 milliards de dettes. Donc, alors, nous n'avons pas de problème réel, nous avons une population qui peut souffrir. C'est vrai, quand nous passons comme un gros shopping mall, nous trouvons un tas de nous dire, mais c'est pas que ça l'île Maurice. Donc, si vraiment nous sincères, nous dire, comment Xavier nous dire, il y a une révolution dans Maurice pour améliorer la qualité de vie de man mauricien. Quand nous avons souvent des problèmes sociaux qui nous sont là. Mais c'est ça qui est l'essentiel. C'est ça, au-delà des personnes, c'est donner une alternative crédible, une alternative qui est réaliste et réalisable pour le pays. Allez, voilà, nous, moi, je peux dire que tout ça va un événement concernant l'alliance PTR, MMM, PMSD, donc une éclipsée. Une autre nouvelle politique, c'est qui vous fait présenter comme prochain ministre de l'Intérieur, si jamais l'Union Maurice gagne l'élection, José Mort. Oui. Qui, vous pouvez trouver, il y a beaucoup de nouveaux partis, donc peut prendre ça affaire pour casse. Les différents portefeuilles, surtout l'Intérieur et Premier ministre, qui fait ce petit autre pays prône ça. Écoutez, ça. Premièrement, c'est parce qu'il y prévoit déjà dans nos constitutions. Section 71 déjà prévoit ça. Mais seulement, c'est aucun Premier ministre ne peut nous les mettre ça en si vous ne pas tromper, sur un héros de Jagrat, quand le petit ministre Manteau, il était aussi ministre de l'Intérieur. Ouais. Donc, c'était Finéna, ça moutte. Oui, mais on va connaître avant. Manteau. Ouais. Ça, c'est une première affaire. Deuxième affaire, c'est qu'il volait et faire ravage dans le pays. C'est l'insécurité, il est partout. Qu'il est pour les enfants à l'école, qu'il est pour les gens qui travaillent, qu'il est pour les troisième âge, l'insécurité, il est partout. Où est-ce que ça rapporte l'audit là? Ravage puis faire avec l'argent public. Donc, comment il y a pour faire qu'il y ait un premier ministre dans ce part-time, dans les temps qu'il a gagné? Quand l'infini occupe politique, l'infini occupe bande task force, l'infini occupe tout bande affaires, external communication, quand l'infini occupe tout ça là, là l'Ibouvine occupe sa problème d'insécurité. L'est pas possible. Bizin est full time pour écouter ça, pour occuper sa travail qui est là pour faire là, premièrement. Et deuxièmement, il a nous identifié trois axes que Bizin agir rapidement. Premièrement, c'est l'unité nationale, nous pas capable à fraude. Un autre bagarre à Chal dans ce pays-là. Les Nubiens sont dans sa piège de nation, de tribu, là. Ça qu'elle se boute, ça qu'elle se chose. Quand tout ça, pas de problème, ben avec causé là. Manque de considération, vase à flèche, etc. Ça qui est causé là. Mais cause d'autres affaires là. Mais cause tribu là. Premier, deuxième. Premier, l'unité nationale. Deuxième, c'est trafic de la drogue, qui pour nous. Les clair et net qui, quand le Premier ministre vient dire comme ça, qui libère de casse-terrain la mafia, c'est faux, parce qu'il nous met ban fait, nous d'habitude, ça nous fait son travail, ça. Nous faisons mettre ban fait de l'avant, l'eau 12 753 membres de la force policière, là-dessous, il y a juste 449 membres. 3,5% de la force policière pour le tackle trafic de la drogue. Et l'eau sur budget, 11,8 milliards, et nazis 300 millions. Allez, troisième, José Mo. Donc, quand on dit qu'on veut casser un peu, c'est allez, OK. Et troisième, c'est la corruption. Il faut les corruptions, c'est une véritable économie dans le pays. Mais le ministre de l'Intérieur, il occupe la police. Nous, bon, ministre, oui, mais en même aussi, temps, puisqu'il ne parle du Premier ministre, parce que et de tout le portefeuille qu'il y a, et de toutes les responsabilités qu'il y en a, ne pas oublier que le Premier ministre est en charge de nommer le directeur général de la MBC, de la Mauritius Port Authority, de l'IBA, de l'ICTA,
de la sans FCC. Sans nomination. Et allonge la liste. Pour nous, c'est clair et net. Pratiquement toutes les nouvelles institutions qui viennent créer depuis plus de 20 ans, c'est systématiquement le Premier ministre qui nomme. Ça va. Et c'est ben, ouais. Et là, nous, cause en plus de ben, law enforcement agencies ou ben, responsabilité qui est là. Ben, allez, Richard, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose qu'ils ont dit dans parti qui peut prendre ça, le fait pour casser ça, le Premier ministre est un super ministère, donc pour casser ça. Une délégation de pouvoir. Oui, parce que c'est ce que a voulu précisément les pays de la Constitution. Les pays de la Constitution ont prévu une constitution de type westminsterienne. Et nous pays fait une dérive de plus en plus vers un premier ministre qui ressemble plus à un président d'une dictature africaine. Absolument. Non, mais quand même, est-ce que le premier ministre, dans la plupart des cas, donc moi, je veux dire, c'est que moi, je connais, hein, peut-être avant Finina, que le ministère de l'Intérieur t'y coupait, donc soit Nero Djagnat, qui était le père du premier ministre, donc il y a une question de confiance. Donc est-ce qu'il. Peut-être Zamine Ferra, parce qu'il faut que le Premier ministre fasse confiance au ministre de l'Intérieur. À Maurice, nous pénalons l'armée, donc le nazisme, la police qui. Les pazis, c'est une question de confiance, il y a une question d'accountability. Là, quand on a un problème d'insécurité, problème law and order, qui est le ministre qui pourra le dire au Premier ministre, appelle lui, dit comme ça, hé, tu vas trouver un problème là, qui est le ministre qui vous fait ça là? Personne. Tandis que dans le modèle qu'il nous peut proposer, le Premier ministre, capable d'appeler moi, dis-moi comme ça, qui est le problème qui peut dérouler là? Account for it. Government by cabinet, c'est ça qui nous le réintroduit. Ça, quel business capable accountable de ce département, qui peut faire, qui ne peut pas faire. Et le Premier ministre. Et théoriquement, c'est supposé être ça, exactement. Le gouvernement de la République de Maurice. Mais dans la réalité, ce n'est pas ça. Nous avons un homme, le Premier ministre, qui coupe, qui tranche et qui décide absolument tout. Et personne ne va gager, non. Hein. Donc. Il n'est pas accountable à personne. Lui. Avec bien sûr, et qui nomme aussi le speaker. Allez, donc dans cette éventualité-là, le premier ministre, pour un ministre qui peut, a aussi NSS sous sa responsabilité. NSS, tout ça, c'est sous le ministère de l'Intérieur, parce que NSS pour arrêter les politiciens. NSS pour garder l'intelligence, le trafiquant la drogue. Mon redire, trafiquant la drogue. Parce qu'il n'est pas possible que la population connaisse qui s'en a qui vendé, la police pas connaît qui s'en a qui vendé. Allez, Ananda Radio. Une réaction par rapport à ça. Bonne idée, mais faisable dans le concret. Par rapport à ça, bon, énormément de changements. Énormément de changements. Je ne connais pas, je ne pas mal placé pour dire exactement comment il a passé. Mais c'est moi, je pense que tout le monde reconnaît qu'il y a trop beaucoup de concentration de pouvoir dans la main du Premier ministre. D'ailleurs, nous sommes cause 2014, c'était ça, l'intention. Mm-hmm. Mais malheureusement, il n'est pas bien reçu par la population, pas comprendre, il y a une petite confusion. Mais l'idée de rendre un Premier ministre plus accountable, je pense là, mais plus grand prévu que nous gagnons, c'est ça que m'a dit. Quand nous trouvons sa force parlementaire, Prime Minister Question Time, côté. Il prend 29 minutes pour lui répondre à une question, pour lui pas répondre à une deuxième question. Il arrive au Prime Minister's Question Time, il fait des morts, il répond à une seule question, ou 20 questions. Mais tout ça, c'est une force. Pour nous capables d'improve accountability, il faut un parlement fonctionnel, un parlement qui zoène plus souvent, un parlement qui il est consacré, il a un comité, un select committee, parlement, mais ça prend son rôle. Donc, alors, il n'est pas une question juste. Nous mettons le ministère sous un lot, vous pensez, c'est l'ensemble de ce tissu démocratique-là, l'ensemble de nos institutions, depuis ce DPP, etc. Qu'est-ce qui peut passer dans FCC, là, Financial Crime Commission? Oui, mais c'est nous qui peut arriver. Ça comité parlementaire, là, pour présider pas un parlementaire. Pour la 5. Pourquoi 5 gouvernements, 4 de l'opposition. Tu imagines-toi, comment dire, prenez la police, super police de police, pour la monnaie sale, mais sous contrôle de la majorité gouvernementale. Oui. Mais c'est quoi ça? C'est avec un directeur général nommé par le Premier ministre. C'est à cause de ça qu'il nous a qualifié le MSM. C'est lui l'ingénieur de la corruption à Maurice. À cause de ça, nous servons à terme. Parce qu'ils ont fait tout calcul, ils ont drafté la loi, ils ont fait un loophole, ils ont créé. Hein? On prend dans les détails, mais ils ont fait un métier pour qui l'impunité de ban corrompu et corrupteur. L'impunité continue. Et c'est comme ça que Angus Rudd, dans le tiroir de l'ex-directeur général de l'ICAC, devenu aujourd'hui directeur général de l'ICAC. Et c'est à cause de ça
À cause de ça, qu'ils ont trouvé, nous proposons la Cour anticorruption avec un système de juge d'instruction. Parce qu'il ne sont pas capable de... Comment j'avais dit, voilà, pour l'accepter, ça, c'est là, là. Allez, monsieur, donc c'est la fin de Tempo Lasso. Donc, merci beaucoup. Moi, encore plus, nous m'attendons. Merci aussi. Juste la Tchandla qui finit d'intervenir en début d'émission. Donc, merci, José Moro et Ananda Radio. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée merci à vous tous et bonne fête à Bandimoun qui vous fêtez donc, cette semaine. Donc, demain, les Télégous et les personnes de foi musulmane, donc, dans. Soit mercredi ou jeudi.